Ah bah deux fois, Bonjour tout le monde, service informatique, nous sommes passés en direct sur YouTube maintenant. Ah. Et du coup, pour nous, ça ne change rien. Mais non, mais c'est vraiment pas net. Comment ça se fait? Je peux pas prendre de photos. Live streaming is on. Oui, je veux bien, ouais. Qu'est-ce que vous sentez là? D'accord. Alors, il faut aller sur un site. Alors, bonjour à tous. Désolé pour ce retard. On est en train de se caler ici au conservatoire. On est quelques-uns au conservatoire, au niveau de la direction de l'établissement. Luc Lafont est également présent, Béatrice Galliou aussi. Donc, on se connecte les uns et les autres. Je pense que d'ici une ou deux minutes, on sera tous connectés. Donc, pas de souci, on pourra commencer. J'espère que vous allez tous bien, en tous les cas. Voilà, ça fait bizarre de voir Alain Jacon qui est à 2 mètres réglementaires de moi, mais de le voir aussi. Je ne parle qu'avec le micro. Alors, je regarde. Donc, tac, tac, tac. Donc, Béatrice est avec nous, Cédric, Christine, Fais, Joël, impeccable. Très bien. Je vous propose d'attendre 2 petites minutes encore et on démarre. Ah, c'est à main levée, là. C'est municipal, c'est demain qu'on va rigoler. Hein. Non, j'ai essayé, j'ai tout installé. C'est tout bon. Ça marche. Donc là, non, il faut taper. Comité CRRL. Je voulais chier, comme ça, ça ira plus vite. On entend mal. Par contre, il faut couper tous les micros. Ah oui, alors il faut bien couper son micro quand on s'en sert pas, quand on n'est pas en train de parler. Ouais. Ah ben, je n'entends plus rien. Mais j'entends plus rien du tout, j'ai fait une ânerie.
disons, Pierre, j'ai voulu couper mon micro. Non, mais c'est eux qui l'ont fermé. Ah, bah, oui, mais moi, j'entends plus rien. Ah. Oui, c'est normal que vous n'entendiez plus rien. J'ai fermé les micros pour éviter le... d'avoir des bruits de fond. Merci. Je me dis... Est-ce que vous pouvez vous montrer c'est le portable. C'est le portable de qui là qui est. C'est de la musique contemporaine, c'est génial. Il manque quelque chose avec ça. Alors, nous avons deux personnes qui n'apparaissent comme non identifiées dans les personnes présentes, donc je vais faire l'appel. Oui, alors il y en a une, c'est moi tout de suite, je vous dis, parce qu'en fait, je passe par mon smartphone, mais pour voir tout le monde, j'ai aussi mon écran de la ville qui ne m'affiche pas, en fait. Je n'ai pas de caméra sur mon écran ville. Donc, pour apparaître, je suis sur, avec mon portable, mais mon mobile, et du coup, je vous ai tous sur mon écran. Pas de souci, Christine, c'est noté. Mais on vous voit, Christine, donc on vous voit, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, certaines personnes n'ayant pas activé leur vidéo, je ne sais pas si Inès de Lavernay est avec nous. Vous pouvez pas. Pas de réponse. C'est moi qui fais du larcin.
Inès vient de nous rejoindre. Parfait. Bonjour. A priori, cette fois-ci, on devrait avoir tout le monde avec nous. Ah, c'était... Hop. Hop. Alors... Juste pour l'info, quand vous... Alors, a priori, il nous manque que Loïc Chabrier qui devrait nous rejoindre, ce que me disait Cédric Vidal, donc on va le laisser prendre en route, mais je vous propose qu'on démarre, puisque c'est déjà 14h15. J'ai juste une personne qui ne s'est pas identifiée dans la liste des personnes présentes, ce qui m'embête un tout petit peu. Il y a Christine qui est en double. Ah oui, ok, c'est peut-être pour ça, oui, d'accord. C'est Christine et Madame de Lavernay. Ah, c'est Madame de Lavernay qui est en bas, ok, d'accord. C'est vrai que je ne peux pas les... Allez, là, voilà. Merci beaucoup. Bon, je vous propose qu'on démarre donc. Loïc Chabrier nous prendra en cours de route lorsqu'il arrivera à se connecter. Donc, nous avons un ordre du jour assez conséquent aujourd'hui. Ce que je vous propose, après avoir dit quelques mots d'introduction, c'est qu'on puisse passer assez vite sur les aspects pour lesquels on prend d'habitude un peu plus de temps. Je pense notamment aux aspects financiers, non pas que la finance n'est pas importante dans ces moments-là, mais puisqu'il s'agit des comptes administratifs de l'année dernière, on peut, je pense, aller assez vite dessus. Par contre, qu'on garde un peu plus de temps pour parler du fonctionnement du conservatoire pendant cette crise sanitaire et de pouvoir répondre aux questions diverses qui peuvent se poser. Alors, pour permettre éventuellement à Loïc Chabrier de lui laisser le temps de nous rejoindre, je dis un petit mot d'introduction que j'ai déjà eu l'occasion de dire, donc je suis désolé pour les membres du conseil de direction qui sont là et qui vont le réentendre pour la troisième fois aujourd'hui, parce qu'on est ensemble depuis ce matin avec les instances CT et CHSCT, mais je souhaitais quand même dire ces quelques mots. La première, c'est que bien évidemment, nous vivons une crise sans précédent qui bouscule, qui ébranle, qui remet en cause nos sociétés dans leur ensemble, nos fonctionnements, nos organisations, mais qui bouscule aussi nos valeurs. C'est une crise également économique, une crise sociale, et qui touche à beaucoup de domaines, mais aussi le domaine culturel, qui était déjà un secteur fragile, et qui se retrouve avec les arrêts d'activité notamment, dans des précarités de statut encore plus grandes, des incertitudes et des manques de visibilité de sortie de crise également très très importants. Et il faut le dire, une certaine illisibilité des différents dispositifs et aides mises en place. Alors le président de la République a annoncé il y a une petite heure toute une série de mesures. J'ai pas eu le temps de me plonger dedans encore précisément, mais on s'attendait à un grand plan culture. J'ai l'impression que c'est encore beaucoup de séries de mesures plus ou moins importantes, mais encore de choses qui s'accumulent à ce qui existe déjà. Donc en termes de lisibilité, on verra comment les choses évoluent. Et puis pour l'ensemble des personnes qui travaillent ici au conservatoire, mais dans l'ensemble des établissements d'enseignement artistique, c'est également une crise pédagogique. Bien sûr, et on aura l'occasion d'y revenir, le conservatoire a mis en place des dispositifs de suivi des élèves, des dispositifs de lien pour maintenir le lien. Et je remercie la médiathèque qui a mis en place une newsletter assez pertinente dans son contenu. Néanmoins, on s'aperçoit bien que ces outils numériques, ces tentatives de téléenseignement ne remplaceront jamais l'émotion, le regard, une voix, une posture, un geste qui peut être observé in situ, en présentiel. Et que la situation actuelle, on ne peut qu'espérer qu'elle dure le moins longtemps possible pour qu'effectivement on puisse retrouver des pratiques en présentiel entre des enseignants, entre des élèves et même entre des artistes entre eux pour qu'ils puissent travailler et se produire entre eux.
Ce qui est compliqué aussi, et je tiens à le dire avant de remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé, c'est la complexité des situations ici dans cette maison. Complexité des situations à la fois par les différents métiers, mais aussi au sein des différents enseignements. C'est évidemment pas du tout la même chose entre la musique, la danse ou le théâtre, entre les pratiques individuelles et les pratiques collectives, et même au sein de la famille musicale, entre les différents instruments, bien évidemment les instruments à vent, particulièrement en ce moment, ou les instruments à cordes. Et donc, cette complexité de situation rend aussi bien pour les établissements d'enseignement, mais pour l'ensemble de nos établissements culturels de musique classique, la situation est extrêmement complexe. Un petit mot effectivement pour remercier à la fois le comité de direction qui depuis la mi-mars s'est mobilisé pour assurer un plan de continuité d'activité, s'assurer que les salaires soient bien versés, que les factures soient payées, que les mails, les demandes, les questions soient et des réponses, aussi bien en présentiel qu'en télétravail. La vie scolaire a été largement sollicitée par les élèves et les parents d'élèves inquiets, donc pour pouvoir apporter des réponses. Les équipes techniques, je ne les oublie pas, ont œuvré ici pour permettre à l'établissement de se maintenir, même s'il était fermé et même si malheureusement on doit déplorer quelques intrusions. Néanmoins, ce plan de continuation d'activité a permis de tenir sur ces 2 mois. Donc merci à la fois à la direction, merci aux équipes administratives et bien sûr, je n'oublie pas, merci aux enseignants, aux artistes qui se sont mobilisés pour permettre de maintenir ce lien avec les élèves. Que ce soit souvent dans des conditions pas faciles, hein, on en parlait ce matin en CT et en CHSCT, conditions à la fois techniques, parce que tout le monde n'est pas forcément équipé de matériel adapté, et je ne parle même pas des réseaux, de la qualité des réseaux, que ce soit Wi-Fi, fibre optique ou autre, ou dans un même territoire, vous pouvez avoir un très bon réseau ou un très mauvais. Et puis n'oublions pas aussi que tous nos élèves ne bénéficient pas non plus soit du matériel, soit de la qualité de réception suffisante. Et ces problématiques hein, de téléenseignement révèlent bien les fractures numériques qui peuvent exister à tout point de vue. Aujourd'hui, on est sur un plan de reprise d'activité. Je dis aujourd'hui, et c'est surtout dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, puisque on le voit, il y a encore beaucoup d'incertitudes devant nous, et je pense, je l'ai dit ce matin, et j'ai beaucoup insisté dessus. Et la médecine du travail qui était avec nous ce matin pour le CHSCT le disait aussi très bien. Il faut être humble devant cette maladie qui malheureusement nous donne une certitude le lundi qui peut être contredit le vendredi. Donc il faut accepter cette incertitude, il faut être humble et il faut faire preuve d'une adaptabilité qui est nécessaire aujourd'hui. Et j'avoue que c'est complexe dans une société qui nous a toujours appris à être dans le prévisionnel, dans l'anticipation. Et lorsqu'on ne peut ni anticiper ni prévoir, ben, on s'assure pour gérer les risques. En l'occurrence, aujourd'hui, ben, tout ça est mis à mal et donc il faut accepter de travailler dans un contexte plus inconfortable, plus inquiétant, plus incertain. Et donc, cette adaptabilité est nécessaire. Et puis, au-delà de l'adaptabilité, c'est aussi la capacité, il faut se le dire, d'expérimenter des choses, d'accepter que ça puisse marcher comme ça ne puisse pas marcher, de tester et d'inventer peut-être. Profitons de cette période pour réinventer, pour imaginer des solutions qui perdureront demain. Alors aujourd'hui, donc notre objectif, c'est que cet établissement puisse réouvrir. Alors on le redira tout à l'heure, hein, il va réouvrir par étapes successives, d'abord sur un plan administratif, technique, à partir de lundi, et les dispositifs sont mis en place. L'accès, la réouverture, la reprise des cours auprès des élèves se fera plus tard. Pour l'instant, on a une période qui est plutôt au mois de juin, mais on verra surtout en fonction de ce qui sera observé au mois de mai. Et puis l'objectif pour nous sur ce mois de mai, sur le début du mois de juin, ça va être de préparer la rentrée. Enfin, je dis nous, mais c'est surtout pour l'équipe pédagogique et l'équipe de direction auquel je m'associe bien sûr, mais de préparer la rentrée prochaine dans un climat qui est encore incertain pour l'instant. Donc je reprends cette expression que j'aime bien, c'est avancer step by step, c'est-à-dire progressivement, en identifiant les difficultés les unes après les autres, en cherchant des solutions pragmatiques les unes après les autres et en mettant en place les solutions adaptées. Je rappellerai, parce qu'on l'a bien dit ce matin, que on vous entend plus. Ah, nous, on
s'entend? Vous aviez des problèmes de réception? Je ne sais pas qui a dit qu'on ne s'entendait plus, mais. Je finis juste mon introduction, puis après, si quelqu'un veut se réexprimer, qu'il n'hésite pas. Je disais donc qu'effectivement, auprès des enseignants, des personnels, des équipes administratives, on a réinsisté sur le principe du volontariat en mettant en place, enfin, en poursuivant le télétravail lorsque les situations n'étaient pas possibles ici au sein de l'établissement, mais toujours sur la base du volontariat et en mettant en place tous les dispositifs de protection des agents. Bien évidemment, c'est notre priorité. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots d'introduction. On a un ordre du jour qui est assez conséquent, donc je vous propose qu'on puisse rentrer dans cet ordre du jour directement par l'adoption du procès-verbal du 14 janvier 2020. Mais il faut peut-être que oui. Ah oui. Effectivement, c'est pas dans mon agenda, dans mon document. Hop. C'est juste que je l'ai pas ouvert à la bonne page. Excusez-moi. Hop, avant d'adopter le procès verbal, il faut qu'on adopte les modalités d'organisation du conseil syndical dans cette période. Donc, c'est un peu comme le conseil municipal pour mes collègues adjoints. Je ne dis pas qu'on improvise, mais en tout cas, on s'adapte au fur et à mesure. Et bonjour à Loïc Chabrier qui vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Notre premier point, c'est effectivement les modalités d'organisation du conseil syndical. L'ordonnance du 1er avril qui vise à assurer la continuité de fonctionnement des institutions locales, dont le syndicat mixte qui assure la gestion du conservatoire, laisse un peu de souplesse aux collectivités territoriales pour réunir leurs instances, notamment en visioconférence. Il est donc proposé qu'à l'occasion de la première séance qui est organisée en visioconférence, on puisse bien définir les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin déterminées par délibération. Donc, je vous propose d'aborder ces différents points rapidement. Les réunions du comité syndical s'effectueront par visioconférence. Nous y sommes et on utilise l'outil Jitsi. Il s'agit d'une solution Internet open source qui ne nécessite pas d'installation de logiciels spécifiques. Cet applicatif est compatible avec tous les matériels. A priori, tout le monde est là. Si je n'ai perdu personne en route, c'est que ça marche. J'ai quelques doutes quand je vois le nombre d'écrans de fenêtres noires qui s'affichent sur ma tablette, mais j'espère que tout le monde est avec nous. La vérification de l'identité des participants se fait à l'occasion de sa connexion à l'outil, en leur demandant donc de bien indiquer leur nom et leur identité. A priori, ce qui est le cas pour tout le monde. Ce conseil fait l'objet d'une retransmission en direct à destination du public. Donc, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, je vous précise que nous sommes actuellement en direct sur YouTube, retransmise sur la chaîne de l'établissement, ce qui permet à la fois au public, aux équipes pédagogiques, aux élèves qui nous regardent peut-être de pouvoir suivre le déroulé de nos débats, mais sachez que donc, nous sommes retransmis en direct. Ces débats sont également enregistrés comme à l'accoutumée afin de permettre la réalisation du procès-verbal. En ce qui concerne les modalités de scrutin, les scrutins donc se font de façon publique, par appels nominaux. La gestion des pouvoirs dans la limite de 2 par élu sera effectuée par les délégués, le président ou l'administration du conservatoire. Donc je vous précise que j'ai les pouvoirs de Thomas Rudigoz et de Jérôme Maleski et que Myriam Picot a donné son pouvoir à Loïc Chabrier. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Donc, je vous propose d'approuver ces différentes modalités de fonctionnement. Si vous avez des questions, je vous laisse la parole, bien évidemment. Pas de questions, pas d'observations sur ces modalités de fonctionnement approuvées à l'unanimité? Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous manifester en levant les bras si vous voulez prendre la parole, parce que des fois, les problèmes sonores ne me font pas voir qui veut prendre la parole. Donc, ce premier point ayant été adopté, nous pouvons passer au second point, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2020. Là encore, est-ce que vous avez des remarques particulières sur ce procès-verbal? Bon après-midi. Merci, au revoir.
Pas de remarques, pas d'opposition, donc le procès-verbal est adopté. C'est noté. Donc nous passons au deuxième point sur lequel je vous propose que nous passions au troisième point. Pardon, il faut que je renumérote un peu tout parce que sinon je vais pas y arriver. Que nous passions un petit peu plus de temps sur ce point numéro 3 qui est donc le mode de fonctionnement du conservatoire durant la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. Je vous en ai dit quelques mots dans mon propos introductif, mais je vais peut-être laisser soit Alain. En dire un petit peu plus, éventuellement complété par Olivier Crouzet, pour préciser certains points. Alain, je veux sa parole, n'oubliez pas de vous. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Peut-être un petit point sur effectivement l'activité du conservatoire depuis le 13 mars, qui a été la date où très subitement nous avons dû fermer les portes de l'établissement, c'est-à-dire à la suite de l'annonce par le président de la République de la fermeture des écoles. Donc nous avons fermé dès le vendredi 13 mars au soir et nous avons fermé l'établissement lui-même le mardi 15 à midi. Depuis cette date, alors on nous a fallu quelques jours pour récupérer déjà à partir de la stupéfaction générale, et ensuite nous avons lancé l'idée, alors auprès des enseignants, qu'une continuité pédagogique puisse se mettre en place, appuyée bien sûr par l'ensemble des services administratifs. Cette continuité pédagogique qu'on n'appelle pas volontairement téléenseignement, puisqu'on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps matériel de l'organiser, a été laissée à l'initiative des enseignants et avec les outils dont ils pouvaient disposer ou dont ils avaient la maîtrise ou qu'ils avaient à disposition. Ces outils sont connus, hein. Il y a celui-ci là qu'on utilise aujourd'hui, mais d'autres, je ne veux pas tous les citer, ce sont les outils de communication instantanée qui sont diffusés très largement dans le public. Donc on n'a pas pu mettre à la disposition des enseignants un matériel du conservatoire. Donc ils ont utilisé pour la plupart d'entre eux le matériel personnel qu'ils avaient chez eux. Et effectivement, comme vous disiez Loïc, ils ont dû utiliser aussi, enfin se servir de ces outils en fonction des aléas des connexions plus ou moins qualitatives qu'ils avaient et du contact qu'ils arrivaient à entretenir avec leurs élèves. Certains élèves n'étaient plus sur Lyon, étaient partis à la campagne, avaient des difficultés pour se connecter. D'autres ont tout de suite pu être contactés et sont rentrés dans un dispositif. On a donc, à la suite de cette prise d'initiative personnelle des enseignants, essayé d'organiser un petit peu les choses pour pouvoir en tirer des enseignements pour la suite, parce qu'on a bien sûr imaginé que cette situation pouvait durer un certain temps. Donc, on a demandé à l'ensemble des enseignants de nous faire un retour de leurs expériences. Et on a eu un bon pourcentage de retours sur à la fois le suivi individuel des élèves et même certaines expériences de pédagogie collective qui ont pu être menées avec des groupes qui vont jusqu'à 15 participants. Donc, c'était assez intéressant à suivre, malgré le contexte un petit peu inquiétant et déprimant. Et donc, je salue quand même ici l'énergie qui s'est déployée à ce titre-là de la part de tous les enseignants et bien sûr aussi des équipes administratifs qui ont suivi tout le déroulé, qui ont participé à la communication, qui ont effectivement continué à faire en sorte que la machine administrative fonctionne correctement. On a pu aussi régler nos fournisseurs,
payer nos salariés. Et de ce retour naît un certain nombre de points très intéressants qui concernent la suite des événements. Et c'est un petit peu cette synthèse que je vais essayer de vous faire en association peut-être avec notre directeur adjoint qui est là, Didier Lebastard, et à qui je passerai la parole pour un petit peu plus de détails. Un petit peu plus, hein, Didier. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la première conclusion, c'est qu'on peut dire qu'on a touché environ 1400 élèves suivis de façon régulière et individuelle, ce qui est un bon chiffre. Ça représente à peu près 80% de l'effectif qu'on espérait toucher à ce niveau-là, c'est-à-dire des disciplines instrumentales et individuelles. Ce très bon chiffre montre aussi une capacité d'adaptation, évidemment, des enseignants sur une pédagogie complètement nouvelle qui n'est pas du tout habituelle, et dont vous avez, Loïc, tout à l'heure souligné les limites. Et évidemment, c'est pas une pédagogie qu'on souhaite pérenniser, en tout cas de façon exclusive, au conservatoire dans l'avenir, puisqu'il y a un certain nombre de points très précis, techniques et artistiques, qui ne peuvent pas être abordés par ces outils à distance. Néanmoins, on est quand même très satisfait de pouvoir constater que nos parents, nos élèves nous ont témoigné de façon assez large leur satisfaction pour ce qu'on a pu mettre en place de façon assez active et régulière finalement. Sachant que pour les enseignants, c'est un énorme travail, donc c'est une des constatations aussi qu'on a pu faire assez rapidement, c'est de voir quel était le côté extrêmement chronophage de ces expériences de téléenseignement qui dépassent au niveau à la fois de l'investissement en énergie et du temps passé, qui dépassent finalement la présence contact présentiel avec les élèves. Je vais peut-être passer la parole à Didier Lebastard, qui pourra peut-être nous donner quelques petits éléments plus précis de ce retour. Je vous passe la parole, Didier. Je peux préciser la Dominique là avec quelques chiffres qui relèvent des retours que j'ai eus et puis d'analyse que j'ai fait par rapport aux effectifs qui me sont présentés dans les données du MS. Donc, je suis devenu dans deux parties, l'analyse dans la filière collective, l'analyse dans la filière individuelle. Il est évident que dans la filière collective, les équipes du CRT, les bonnes réponses, c'est celui que les disciplines, deux disciplines pour lesquelles on est en difficulté avec les collectionnels. Donc, on est 59 personnes concernées par les collectives et sur 59, on a eu 23 réponses, donc 17%, qui initiaient des pratiques d'enseignement à distance. Et donc, c'est sûr que pour des disciplines comme la danse, le théâtre, les musiques actuelles, tout ce qui concerne les interventions scolaires, extrêmement compliqué de mettre en place des sorties d'enseignement à distance, voire impossible, je pense que la danse. Donc, c'est celui-là qui est arrivé dans les niveaux d'élèves, parce que c'est lui qui a parlé de la préparation, sans compter les niveaux d'élèves et tout ça qui ont été installés dans le scolaire, donc c'est une grosse filière. Néanmoins, on a quand même quelques réponses qui sont encourageantes, c'est du côté des disciplines de culture. J'ai noté quand même que, par exemple, pour le cours de culture, on arrive à 100% d'activité en pays enseignement. Ce sont des disciplines qui demandent des échanges de documents, des documents autorisés, qui sont traduits sur l'écrit, donc qui se prêtent bien à ce système de pays enseignement. Voilà pour les filières pour politique, je ne parle pas des orchestres, évidemment, des échanges d'orchestres qui nous permettent un peu plus de visualiser. Alors, l'analyse des cours individuels montre
très bien sur le répit, parce qu'il y a 59 réponses sur 7,360, donc il y avait à 7,70% de réponses des étudiants. Sachant que dans les enseignants, qui n'ont pas répondu, certains ont des activités, mais ils n'ont pas tout à fait de connaissances. Donc on touche particulièrement environ 1000 questionnaires, et depuis quand un taux de réalisation de 80% sur les effectifs théoriques. Et sachant que pour tout un système, c'est un certain groupe pour les élèves et pour les profs, notamment pour les élèves qui est des personnes quand même qui peuvent avoir des problèmes familiaux, des problèmes de logement. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui sont aussi déjà plus précaires, qui sont des étudiants dans le studio. Il y a plein de capacités qui ont fait qu'on ne peut pas assurer 100% des élèves de cette manière. Et aussi, il y a aussi des filières instrumentales qui sont suivies en direct et d'instruments. Et ceux qui organisent, ceux qui sont spécialistes, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un instrument réalisé. Donc, on ne pourra pas avoir avec ce système 100% de réponses. Néanmoins, avec un certain instrument, on est vraiment à 100% de réponses. Je pense par exemple à ce système. Et là, ça fait un outil qui peut vraiment mobiliser ce l'enseignement. Et d'autres outils, bon, c'est le cas où on a fait des réponses. Donc, le résumé, c'est que bon, ça vous a permis d'accueillir l'activité du professeur et ça, donc là, les liens avec les parents des élèves, celui de ce que les parents nous ont fait vivre en remerciant l'activité qu'il y a pu avoir malgré les difficultés. Et puis, un outil distanciel qui sera à l'avenir, je pense, à lister avec un outil en présentiel. Donc, à ça, dans les conditions de difficulté sanitaire qui nous sera imposée, mais on ne peut pas évacuer. Mais pas inventer un peu un service web, mais c'est une correction difficile avec les données, enfin, les impératifs pédagogiques de chaque discipline de ce sujet. Voilà. Merci Didier. Je relaisse la parole à Alain pour un mot. Oui. Alors, c'était pour parler un petit peu. Alors, si on a une saison culturelle au conservatoire. Qui s'est arrêté subitement aussi. C'était un peu peignant là tout à l'heure de voir dans les couloirs les affiches qui sont toutes arrêtées de nos concerts, qui sont toutes arrêtées au 11 mars. Et donc on a environ 300, un peu plus de 300 événements par an. On a dû, je vais peut-être, ah ben vous n'êtes pas équipé, si Cécile, c'est bon. Je vais passer la parole à la directrice du développement culturel, Cécile Richard, qui va nous faire un petit topo. Mais donc là aussi, à la fois une remise en cause de la saison actuelle et puis des questionnements sur le futur. Je vous passe la parole. Je la ferme. Ego magique. Ok. Donc on arrivait à peu près à la moitié de notre saison. 115, 120 actions déjà réalisées, 115, 120 dates depuis le début de l'année. Et donc on en a annulé à peu près autant, dont trois festivals, les fins de cycle personnalisés, une vingtaine de concerts, Ensemble en cavale, une quinzaine de concerts, un stand d'été, même chose. Et puis toute une série d'actions. Alors effectivement, on a vu les affiches. Voilà. Donc tout a été, tous nos partenaires ont été prévenus, les enseignants, etc. Même si les gens dans l'ensemble se doutaient bien que évidemment on pouvait, c'était une fatalité. Voilà. Et puis là en ce moment, je travaille sur
sur la saison suivante, sur pour l'instant le collectage des propositions des collègues qui sont comme chaque année très très riches. Et puis ensuite, ma foi, on va essayer d'imaginer des hypothèses de fonctionnement avec ce qui se mettra en place d'ici à la rentrée. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Avant de vous laisser la parole, Alain, juste un petit mot, parce qu'on en a parlé ce matin en CT. On voit bien, notamment à l'occasion d'évoquer la saison culturelle de l'établissement, l'interdépendance de l'ensemble de nos établissements culturels, quels qu'ils soient, d'une part parce que effectivement des événements ont lieu dans cette maison, ici à Fourvière, mais aussi dans bien d'autres lieux. Et tant qu'on n'a pas de visibilité sur ce que vont faire les autres lieux, dans quelles conditions ils vont pouvoir réouvrir, c'est assez complexe, et y compris dans tous les partenariats. Il n'y a pas que l'accueil de concert, mais il y a aussi tous les partenariats qui sont noués au quotidien. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde est dans le brouillard. Alain, vous vouliez ajouter autre chose? Merci beaucoup. Je voulais aussi passer la parole à Olivier Crouzet sur le fonctionnement de l'administration pendant cette période, qui est un peu particulier aussi. Et puis, si vous voulez bien, je reprendrai ensuite la parole pour vous parler du calendrier de reprise, plus précisément. Oui. Merci. Donc, effectivement, comme tout le monde le précise précédemment, le conservatoire a continué à exister pendant toute cette période, à la fois sur ses aspects pédagogiques, mais aussi sur ses aspects logistiques et administratifs. Hein. C'est-à-dire qu'on a pu à la fois assurer les ressources internes vis-à-vis de nos agents. Pour information, sur les CAMIS, donc collectivité territoriale, avec deux autorités tutelles, qui sont la métropole de Lyon et la ville de Lyon, est une collectivité territoriale avec environ 250 ETP, dont les deux tiers d'entre eux, 70% d'entre eux, sont des enseignants et le reste du personnel administratif et technique est chargé d'assurer à la fois les liens vis-à-vis des familles, vis-à-vis des personnes qui sont inscrites et qui suivent une scolarité, un cursus auprès de mes enseignants. Et évidemment, en tant que collectivité, elle assure toutes les fonctions et toutes les activités d'une entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'elle assure à la fois l'entretien du bâtiment, que ce soit le ménage ou les travaux de confort et de réparation du bâtiment, la gestion d'un parc automobile. Et puis, les ressources RH, évidemment, avec la gestion de la paye, de la rémunération, des carrières, et évidemment, la comptabilité vis-à-vis de nos fournisseurs, où il faut percevoir, évidemment, les recettes, et notamment les droits d'inscription. Donc, une grosse partie de ce personnel-là a continué à poursuivre son activité, 100% en télétravail, et ça nous a permis de faire des constats très positifs sur l'utilisation du télétravail, d'après les premiers témoignages recueillis à ce jour de la part des personnels qui ont poursuivi leur activité ainsi. Évidemment, il y a aussi des inconvénients qui sont notés. En tout cas, ça nous laisse voir venir pour l'avenir et de s'orienter vers cette organisation du travail pour davantage de personnel que c'était mis en place jusqu'alors, avec des aménagements et un cadrage un peu plus précis, puisque là, ça a été très précipité comme dans l'entreprise. On a connu pas vraiment de défaillance technique ou technologique pendant toute cette période-là. On a pu assurer l'ensemble de nos tâches. Après, au titre des inconvénients, par exemple, c'était l'accès aux dossiers papier qui était le plus compliqué, mais on peut relever aussi que ça a été très bien. Évidemment, il y a eu une période d'inertie qu'on a tous connue pendant les 15 premiers jours, les deux premières semaines. Forcément, il y a entre la stupéfaction personnelle, se retrouver soi-même, retrouver ses proches, sa famille, retrouver son intimité, répondre à tous les questionnements qui nous arrivaient. Donc, on a tous été dans cette période-là. Et puis, progressivement, on a pris des décisions, notamment la protection de notre personnel, assurer du lien et se tourner aussi vers l'extérieur avec des différents outils de communication, comme notre médiathèque qui a réalisé des newsletters très riches sur des point précis, mais qui permettait aussi de se dépayser et d'épanouir autrement. Et voilà. Merci beaucoup, Olivier. Alain, vous voulez dire un mot supplémentaire sur cette première
Sur cette délibération, pardon ou... Eh bien, il faut qu'on parle de la réouverture, peut-être. Ah bah oui. effectivement, là, on traitait l'urgence, mais effectivement, la réouverture, pour moi, ça me tellement... Après, on s'est un peu ouvert. Je vous en prie, Alain, parlez-nous de la réouverture dans l'état actuel de nos connaissances. Voilà, une réouverture qui... en fait, à partir de l'annonce de la fin de la date du 11 mai, on a écrit à notre personnel puis aux parents donc dès la fin du mois d'avril pour dès le 23 avril en fait pour leur donner les principes de notre reprise, sachant qu'évidemment on est entouré par un certain nombre d'inconnus et de questionnements, donc on s'est contenté de donner les informations qui nous semblaient les plus importantes. Surtout dans l'ordre de priorité des activités, de reprise des activités. Donc, je vous les livre pour information. Donc, ce qui est prévu au mois de mai, pour l'instant, nous sommes à l'heure avec ça. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le conservatoire reprend possession du site, dûment nettoyé et aménagé, ce qui a été fait. Les activités administratives vont reprendre à partir de lundi. Ici sur place, avec un mixte télétravail et présentiel qu'on va mettre en point avec chaque responsable de pôle administratif et leurs équipes respectives. Et l'idée de pendant ce mois de mai, c'est de remettre la machine en route pour la préparation à la fois des quelques échéances qu'on a à faire d'ici la fin de l'année scolaire et puis aussi de réfléchir à la prochaine rentrée. Donc, on a quelques échéances indispensables, ce sont les recrutements des futurs élèves en classe horaire aménagée qui doivent être coordonnés avec les calendriers de l'éducation nationale. Donc ça, c'est notre priorité numéro un, essayer d'organiser rapidement les auditions d'admission pour les classes horaires aménagées de la prochaine rentrée. On a également à faire les admissions pour nos deux parcours de licence. Et on a aussi à faire des admissions pour la série TMD. On a aussi à faire toutes les évaluations par contrôle continu des élèves qui sont en cours de cycle et qui sont en fin de cycle, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle personnalisé. Et donc pour organiser cette évaluation, qui d'habitude font l'objet d'un festival et de concerts, nous recourons au contrôle continu. Et donc, nous devons organiser des commissions qui vont examiner les dossiers des élèves. Et donc, ça, c'est assez lourd à faire. Et on va donc l'organiser rapidement pour pouvoir communiquer aux parents les résultats de du passage de cycle de leurs enfants. L'idée, à partir de début juin, donc tout ça devrait nous mener jusqu'à début juin. Et l'idée, à partir de début juin, c'est d'examiner, évidemment, en fonction de la situation générale, ce qu'il est possible de faire par rapport à une remontée en puissance de l'activité pédagogique. Et donc, nous envisageons de reprendre quelques activités pédagogiques individuelles d'ici la fin d'année scolaire, mais on n'est pas encore suffisamment... on n'a pas encore suffisamment travaillé le sujet pour pouvoir dire lesquels, quels niveaux sont concernés, quel type d'instruments, etc. Il y a un certain nombre de contraintes qui ont été soulignées d'ailleurs ce matin en CT, CHCT, sur certains instruments, sur le caractère collectif de certaines disciplines, qui méritent une analyse qu'on va réaliser maintenant. Donc on verra, mais l'idée c'est quand même que les élèves reprennent contact avec le conservatoire, en tout cas certains d'entre eux, avant la fin de l'année scolaire, et que nous puissions revoir dans nos murs nos élèves. Les cours collectifs sont annulés jusqu'à la rentrée de septembre, ça on a dû le faire parce qu'effectivement on n'est pas en mesure de garantir leur bonne tenue compte tenu des préconisations que nous connaissons déjà. Et puis, la prochaine rentrée, c'est un gros travail qu'on va opérer pendant tout le long de l'été, finalement, parce que la situation évolue chaque jour. Donc, il y a des hypothèses hautes et d'autres qui sont plus basses, on va dire, sur la reprise d'activité. Pour l'instant, notre objectif, c'est de reprendre les cours de façon en régime normal, simplement en retardant un peu la rentrée
puisque une partie de ce qu'on n'aura pas pu faire au mois de juin devra être reportée au mois de septembre. Donc, on va décaler un tout petit peu la fin d'année scolaire, une partie sur le mois de septembre, reprendre un peu plus tard les cours du régime normal. Ça, c'est l'hypothèse la plus favorable. Et d'autres hypothèses sur lesquelles on va travailler et sur lesquelles il faudra qu'on se mette d'accord avec à la fois nos équipes d'enseignants et évidemment nos tutelles, c'est des hypothèses plus basses de reprise partielle, de cursus aménagés, non pas CHAM, mais des cursus aménagés, moitié présentiel, moitié à distance, ou dans une certaine proportion indéterminée, et puis revoir comment on redémarre toutes les activités collectives qui représentent quand même plusieurs centaines d'élèves chez nous. Voilà, donc c'est un énorme travail sur lequel on va maintenant se pencher, et on espère beaucoup, évidemment, dans une résolution favorable. Et donc jusqu'aux vacances d'été, les élèves continueront de bénéficier de la présence virtuelle de leurs professeurs, en tout cas pour toutes les disciplines instrumentales et vocales. C'est comme ça que ça va se terminer pour les cours individuels jusqu'aux vacances d'été. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Merci Alain, effectivement, ça me semble être très, très complet comme présentation, aussi bien de la situation actuelle, des difficultés auxquelles l'établissement a été confronté, que de la situation à venir dans la mesure où on peut la définir aujourd'hui. Des quelques retours qu'on a pu avoir, que ce soit ce matin en CT, en CHSCT ou par ailleurs par des échanges plus informels, on sent bien, ça a été dit, hein, que les enseignants sont demandeurs de pouvoir globalement, hein, je globalise, mais que globalement les enseignants sont plutôt demandeurs de pouvoir reprendre un contact physique en présentiel avec les élèves et Dieu sait si certaines choses sont et seront compliquées, en particulier sur certaines disciplines, ça a été dit, ou aussi sur certaines pratiques, que ce soit des pratiques individuelles ou collectives. On sent bien qu'il y a aussi une attente des élèves, même si elle est peut-être encore peu mesurée, et on verra ça dans les semaines qui viennent, en suivant en parallèle la reprise de l'activité dans les écoles et plus tard dans les collèges de notre territoire. Donc tout ceci est bien évidemment à adapter suivant ce que nous pourrons, ce que nous serons en mesure d'observer tout au long du mois de mai. Voilà pour ces éléments, sur ces exposés relatifs à la crise sanitaire. Est-ce que mes chers collègues présents ici ou en visio souhaitent aborder quelque chose ou dire un mot complémentaire ? Oui, Béatrice. Merci. Et moi, j'avais une question sur est-ce que vous avez des étudiants qui n'ont pas pu rejoindre leur famille, qui seraient sur place, pas forcément concernés. Oui, voilà. Donc, c'est pas de nous en tête, mais je sais qu'il y a des professeurs qui ont signé que certains étudiants étaient repartis, notamment les étrangers. Parce que leurs parents étaient restés, donc il y avait vraiment un souci de la sécurité sanitaire aussi en France. Et puis, là, je sais qu'il y a des soucis, mais je ne peux pas discuter de nous de temps. Et c'est certain que certains étudiants qui ont été très convictement, soit j'ai un peu par un étudiant qui était sans ressources, parce qu'il était sans avoir des embarques, et donc ce bar ayant fermé, pour trouver une personne sans ressources, et donc je me suis un peu dit que c'était ici, mais c'est aussi une époque de communauté à.
Merci beaucoup Béatrice, ça me donne l'occasion de saluer une autre initiative alors qui ne concerne pas cette maison mais qui concerne notre école que l'on connaît bien, qu'on suit beaucoup à Lyon, qui est l'École nationale des beaux-arts, qui a mis en place une bourse solidaire pour ses élèves qui se sont comme exactement dans la même situation que ce que vous expliquiez Didier tout à l'heure, retrouvés sans ressources. Et donc des bourses ont pu être attribuées à hauteur, je crois que la plus basse bourse est de 500 euros et c'est allé jusqu'à 1000 euros pour certains élèves qui étaient dans des situations effectivement de très très grande précarité, pour des étudiants de très très grande précarité. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur cette délibération? Pas de demande d'intervention complémentaire, donc je considère de la part de mes collègues ici présents et en visio qu'elle est adoptée sans souci. Je vous en remercie. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière parce que j'ai oublié de faire quelque chose, c'est-à-dire de désigner un secrétaire de séance. Béatrice, est-ce que tu accepterais d'être secrétaire de séance? C'est plus simple si c'est quelqu'un qui est présent dans l'établissement. Donc, Béatrice Galliou sera secrétaire de séance pour ce conseil du syndicat mixte. Alors, nous rentrons sur un gros volet qui est un volet finance avec l'adoption d'un certain nombre de documents, le compte administratif 19, le compte de gestion 19, l'affectation du résultat de 2019 et le reste à réaliser des recettes d'investissement 2019. Donc, je vous propose, comme ce sont des choses dont on a déjà eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises, d'aller assez vite, mais néanmoins de prendre le temps d'en parler. Olivier, vous avez les capacités en quelques minutes à nous synthétiser les quatre dossiers d'un coup? Presque. Allez, on va essayer. Merci d'avance, Olivier. Avec plaisir, on va vous synthétiser les documents financiers qui sont néanmoins importants, mais on va prendre un peu plus de temps sur ce qu'on appelle dans le langage et dans le jargon administratif le compte administratif, qui est en fait le budget consolidé de l'année 2019. Dans le public, on prête l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Je vais donner quelques grandes lignes pour avoir une idée. En dépenses de fonctionnement, donc essentiellement de la masse salariale, le budget de l'établissement sur l'année 2019, c'est 11 500 000 euros et les recettes, c'est quasiment équivalent, 11 500 000 euros. En fait, en fonctionnement, on fait un déficit de 41 000 euros et en investissement, donc c'est évidemment de l'acquisition d'instruments ou des travaux du propriétaire ou du locataire ou de l'achat de biens mobiliers, etc. On est sur des dépenses annuelles de 150 000 euros pour des recettes d'investissement qui sont à 275 000 euros. Nous avions un fonds de réserve, un fonds de roulement des exercices précédents, ce qui nous amène un résultat accumulé sur les différents exercices. Si on retraite les 40 000 euros de déficit en fonctionnement, un résultat accumulé de 714 000 euros au titre de la fin de l'année 2019. Et en investissement, on a des résultats cumulés à hauteur de 309 000 euros. Je vais juste préciser pour clôturer ce point-là les grandes lignes de la section de fonctionnement parce que c'est la plus importante. Les recettes de fonctionnement, donc comme on le disait tout à l'heure, nous avons en tant que syndicat mixte deux tutelles qui sont la métropole de Lyon et la ville de Lyon. Sur un montant total de recettes de 11 500 000, la ville de Lyon intervient à hauteur de 7 400 000 euros plus 900 000 euros sur une commande politique particulière qui est l'intervention en milieu scolaire auprès des écoles maternelles et auprès des écoles primaires de nos enseignants, qui fait une participation de la ville de Lyon à hauteur de 6 400 000 euros par an sur l'année 2019 et la métropole de Lyon intervient à hauteur de 1 700 000. La dernière tutelle, c'est la tutelle métier qui intervient et c'est celle qui labellise le conservatoire au titre de son rayonnement régional. C'est l'État, par l'intermédiaire de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, qui attribue une subvention modeste, mais néanmoins, elle l'attribue, de 260 000 euros pour le fonctionnement de l'établissement. Ce qui nous amène à quand même des dotations publiques très important au regard des dépenses de fonctionnement de l'établissement, puisque la ville et la métropole participent à hauteur de 88%, et donc on a des recettes propres d'environ 10%, qui sont nos droits d'inscription des élèves à hauteur de montants dont on parlera tout à l'heure, puisque ça sera l'occasion de voter les tarifs dans ce conseil syndical-là.
et on vous précisera deux, trois étalons de deux, trois inscriptions suivant les cycles auxquels veulent participer leurs enfants. Les dépenses de fonctionnement, donc les dépenses de fonctionnement, on est un établissement d'enseignement. Donc nos principales dépenses à hauteur de 90% et 11,5 millions, c'est les charges de personnel. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, 250 emplois temps plein à l'année, ça représente des dépenses de masse salariale de 10,5 millions. Sur l'ensemble de l'année 2019 avec du personnel principalement titulaire de la fonction publique territoriale. Le reste des dépenses de fonctionnement, bah, c'est le fonctionnement quotidien de l'établissement, hein, donc c'est ce qu'on appelle les fluides, les charges administratives, la papeterie, les dépenses de fonctionnement courant, etc. Voilà pour le premier point. Donc, je vais laisser la parole à Loïc Crabert pour qu'il fasse adopter. Mais avant, peut-être qu'il donne la parole à certains des membres et délégués du conseil, du comité syndical, pour s'ils veulent poser quelques interrogations ou quelques questions supplémentaires. Mais je vais lui laisser la parole pour ce premier point sur le compte administratif 2019. Merci beaucoup Olivier. Est-ce que mes collègues ici présents ou en visio veulent poser une question sur ce compte administratif hein, qui retrace à la fois le budget qui avait été voté, ses évolutions en cours d'année et les éléments qu'on a pu voir. Hein. Les choses sont assez bien résumées dans le document et assez clairement expliquées. Pas de remarques, pas d'observations. Je regarde aussi sur depuis la part de tout le monde. Ok, donc ce compte administratif 2019 est adopté, je vous en remercie. Olivier, je vous laisse la parole pour le compte de gestion. Alors, la suite, le point suivant, c'est le compte de gestion 2019 et c'est la fameuse distinction de l'administration publique entre l'ordonnateur et le comptable. Le syndicat mixte, le conservatoire de Lyon et l'ordonnateur, c'est-à-dire c'est celui qui autorise les dépenses et les recettes, et le comptable, qui est une personnalité publique indépendante que nous connaissons tous, qui est le ministère de l'économie et du budget, autrement dit l'ancien trésor public. Donc il y a un travail et des liens très forts entre l'ordonnateur et le comptable. Le comptable, lui, verse aux débiteurs la somme due, donc soit à nos fonctionnaires, soit à nos fournisseurs, donc c'est-à-dire qu'ils versent l'argent, soit ils perçoivent l'argent pour notre compte, c'est-à-dire nos recettes propres ou nos dotations publiques et subventions. Et une fois que le compte administratif 2019 est validé, le comptable soumet à l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale le compte de gestion pour validation. Donc notre comptable, le trésorier municipal, a validé son compte de gestion sur la base de notre compte administratif et nous a dit que les deux comptes, les deux budgets étaient strictement égaux. Donc, on va vous inviter à l'approuver. Merci Olivier. Donc, même question, pas de remarques de la part de mes collègues, pas d'opposition non plus. Donc, ce compte de gestion 2019 est adopté également. Je vous en remercie. Olivier, l'affectation du résultat de l'exercice. L'affectation du résultat, donc on l'a dit tout à l'heure, on a un résultat bénéficiaire en fonctionnement suite à plusieurs exercices bénéficiaires. Et donc il nous revient aujourd'hui d'affecter le résultat de l'année 2019. Donc le résultat précis s'élève à 714 885,29 euros. Et on vous propose aujourd'hui de l'affecter en section de fonctionnement, évidemment, intégralement en section de fonctionnement, puisque notre solde d'exécution en session d'investissement est supérieur au cumul du résultat d'investissement de clôture et du solde des restes à réaliser. Donc, on peut intégrer tout le résultat cumulé de la section fonctionnement sur la section de fonctionnement en 2020 et on l'affecte sur un article comptable spécial qu'on appelle l'excédent antérieur reporté de fonctionnement. Merci. Pas de remarques, pas d'opposition de mes collègues pour l'affectation de ce résultat de l'exercice 2019. Et on peut se féliciter d'avoir un excédent
sur cette année au vu des dépenses supplémentaires que nous allons avoir sur cette année 2020 et qui touchent déjà, de toute manière, on le sait, hein, l'équilibre toujours un peu précaire de la gestion de cet établissement, qui est un exercice complexe. Et donc, on a la chance d'avoir pu, sur 19, dégager cet excédent. Et malheureusement, on le voit, le fonctionnement de l'établissement, les dépenses qui sont engagées pour gérer cette période de crise et celles qu'il va falloir continuer à engager, que ce soit pour l'établissement ici, mais aussi pour les collectivités, les deux tutelles, métropole et ville, qui sont pleinement engagées dans la lutte contre le coronavirus et les mesures mises en place, que les reports gagnés des années précédentes vont permettre de financer une bonne part des mesures prises. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Donc le résultat ayant été affecté, il nous reste des recettes d'investissement 2019 à réaliser. Un petit mot, Olivier, là-dessus. Alors, au titre des soutiens auprès des établissements d'enseignement artistique, la métropole de Lyon lance des appels à projets pour soutenir des dépenses d'investissement dans les établissements d'enseignement. Autrement dit, l'octroi des subventions suite à procédure et à soumission de dossiers. La métropole de Lyon a retenu notre dossier. L'année dernière, en 2019, les dépenses ont été faites. Et en fait, pour des questions administratives de clôture des comptes, on propose aujourd'hui à l'Assemblée un reste à réaliser en investissement qui s'élève à 17 363 euros et qui est donc le fruit de cette subvention d'investissement de notre partenaire. Et maintenant, il faut l'adopter pour que cette somme de subvention soit bien affectée au budget 2019 tel qu'il avait été dûment convenu. C'est une technique comptable de réaffectation de sommes d'exercice en exercice. Très bien, merci Olivier. Je suppose qu'il n'y aura pas de questions ni de la part de Loïc Chabrier, ni de la part de nous ici présents. En tout cas, merci à la Métropole pour cette contribution dans le cadre de cet appel à projet. Ça permet d'intervenir sur les instruments de musique comme c'est fait par ailleurs et c'est une très bonne chose puisqu'il s'agit des instruments de travail, si je puis dire, et d'enseignement et d'apprentissage. Donc, merci à la Métropole. Nous passons au point suivant. C'est la première décision modificative de cette année 2020 et donc, bien évidemment, l'utilisation d'une partie de cet excédent dont je parlais tout à l'heure pour venir abonder les sections de fonctionnement liées aux dépenses supplémentaires. Olivier ? Alors, la décision modificative numéro 1, c'est ce qu'on pourrait appeler de manière plus commune le budget supplémentaire de l'établissement. Généralement, on fait entre 2 et 3 décisions modificatives par exercice budgétaire. Et ces décisions modificatives, comme le reste de toutes les écritures importantes, sont soumises à la validation de l'Assemblée délibérante de l'établissement. On a affecté notre résultat de fonctionnement, pardon. Le résultat d'investissement est affecté automatiquement à la section d'investissement. Et maintenant, on vous propose en fait de faire quelques écritures, c'est-à-dire que de répartir le montant affecté en section de fonctionnement vers des chapitres budgétaires, c'est-à-dire des chapitres budgétaires pour vous donner deux illustrations. C'est par exemple le fonctionnement général ou la masse salariale, la rémunération. Donc, on propose des inscriptions de crédit dans différents chapitres budgétaires. Et ces inscriptions de crédit, elles s'inscrivent dans deux lignes directrices. Loïc Crabière vient d'en parler tout de suite, mais on n'est pas au bout de nos peines, mais l'une concerne des ouvertures de crédit liées à la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà des premières mesures qui ont été prises, c'est-à-dire des premières dépenses qui étaient prises. La première, ça a été par exemple la désinfection de l'établissement il y a une huitaine de jours. Et puis, s'en est suivi aussi l'acquisition de produits et d'outils d'équipements individuels de protection de nos personnels. Donc, progressivement, les stocks de produits et d'équipements arrivent. Et donc, des dépenses qu'on n'avait pas prévues lors de l'adoption du budget primitif nous amène aujourd'hui à ouvrir des crédits pour y faire face. La deuxième ligne
la deuxième direction vers laquelle on va pour inscrire des crédits dans nos chapitres de fonctionnement, c'est des crédits qui concernent le fonctionnement général de l'établissement et qui sont des crédits qu'on avait pu inscrire en début d'année au moment du vote du budget primitif, puisque le budget primitif dans l'administration territoriale doit être équilibré en fonctionnement et en investissement. Et nos recettes ne permettaient pas de couvrir l'intégralité de nos dépenses. Mais on savait qu'on aurait un résultat accumulé qui viendrait abonder. Donc, c'est du fonctionnement, la deuxième ligne directrice, c'est du fonctionnement général. Et pour vous citer quelques exemples, c'est des dépenses de fluide, des dépenses relatives au bon fonctionnement, aux entretiens des instruments de musique et des crédits relatifs à des frais bancaires ou des remboursements de crédit sur exercice antérieur. Sur la section de fonctionnement, voilà les modalités qu'on soumettra au vote. Et pour l'instant, sur la section d'investissement, on n'opère aucune écriture. On verra un peu plus tard dans l'année, à l'occasion du vote et de l'adoption des décisions modificatives suivantes, la manière dont on affectera les crédits. Ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, et ce qu'on dit auprès de l'Assemblée délibérante, c'est que on va faire face à des dépenses non prévues jusqu'alors. Donc, on se laisse le temps de pouvoir construire et d'anticiper ces dépenses-là pour pouvoir les inscrire au prochain budget supplémentaire. Très bien, merci pour ces éléments. Je suppose que là non plus, il n'y a pas de difficulté, pas de sujet particulier, donc également adopté à l'unanimité. Merci à vous tous. Il nous reste un dernier point adopté sur ce volet finances qui sont les tarifs des droits d'inscription pour l'année scolaire 2020-2021. Juste avant de laisser la parole, je ne sais pas qui est-ce qui c'est Laure qui nous en parlera. Je vous laisserai la parole dans une seconde, Laure. Juste dire que on avait eu, je m'adresse à mes collègues administrateurs de l'établissement, une discussion importante sur justement pour assurer la stabilité financière de cet établissement. Des discussions sur la question des tarifs et notamment la trajectoire financière qu'on se donnait en termes d'évolution de ces tarifs avec des besoins d'augmentation des recettes de l'établissement et donc du levier, en tout cas du seul levier qui est en notre capacité, qui est celui des tarifs d'inscription. On avait fait un choix l'année dernière d'augmenter les tarifs de 7%. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On fait le choix cette année de ne pas augmenter les tarifs d'inscription, à la fois par anticipation, parce que quand cette décision a été prise, on n'était pas encore dans le contexte du coronavirus. Mais le contexte étant venu, certaines familles ayant fait savoir les difficultés financières auxquelles elles étaient confrontées, il nous a semblé normal que les tarifs globaux ne soient pas changés, ne soient pas modifiés par rapport à la rentrée dernière. Et donc, cette délibération est plutôt sur des ajustements. Vous nous en direz un petit mot de quelques éléments, mais la ligne directrice reste en tous les cas la même que l'année dernière. Ce qui, pour autant, il faut le garder en tête par rapport à l'année 2021 et 2022, reposera nécessairement des questions sur l'équilibre financier de l'établissement et sur des choix qu'il faudra faire à ce moment-là et sur les outils qui seront les nôtres pour pouvoir justement continuer à assurer l'équilibre budgétaire. Laure, je vous en prie. Bonjour à tous. Donc la prochaine année scolaire va démarrer très prochainement avec les inscriptions découvertes mardi 12 mai. Donc il revient effectivement au comité syndical d'adopter les tarifs 2020-2021. Donc comme évoqué à l'instant, il n'y a pas d'augmentation de tarifs, ils se sont strictement les mêmes que ceux de l'année dernière. Simplement on fait apparaître le fait que dans les tarifs que vous voyez dans la grille, 5 euros sont valorisés pour permettre l'accès aux services de la médiathèque, ce que l'on n'avait pas forcément, ce sur quoi nous n'avions pas communiqué auparavant. Donc, les ajustements dont vous parliez concernent le cycle jeune chanteur,
Donc là, il est précisé que la formation jeune chanteur cycle 1, cycle 2 correspond au tarif 2 et que le niveau 3 de cette formation correspond au tarif 3. Et je crois qu'il a été précisé également la distinction entre les activités hors cursus, donc on précise en tarif 1, pratique continuée avec soutien instrumental. On les a distingués d'un tarif 5, activité hors cursus, cette fois pratique continuée sans soutien instrumental. Donc ça n'était pas précisé de cette manière-là l'année dernière, donc ça simplement la création d'un tarif 5. Les frais de concours donc sont inchangés, 35 euros. Les frais de location d'instruments également, et les tarifs de location de salle restent les mêmes que ceux votés en 19-20, comme vous le disiez. Donc, ils seront mis en ligne après, lorsque la délibération sera exécutoire. Merci beaucoup. Des questions ? Pas de questions ici, pas de questions non plus auprès de mes collègues élus. Donc, cette délibération sur l'adaptation de ces tarifs est donc adoptée pour l'année 2020-2021. Nous passons à un second volet important qui est celui des ressources humaines avec un premier dossier, c'est le tableau des emplois, les créations et suppressions de postes. Ce sujet a été présenté ce matin, a été présenté à plusieurs reprises, parce que je vois qu'il y a plus de dossiers que ce qu'on a vu ce matin, en CT. On en profite pour faire un récapitulatif. C'est un cumul des deux derniers CT. Qui est-ce qui nous fait un petit... Eh bien, Laure, je vous laisse la parole à nouveau. Alors, ce tableau est une prévision, une partie de la prévision de la rentrée 2020-2021 et un ajustement des emplois aux effectifs élèves. Notamment, donc, en lien avec le CT du mois de février, il y aura une modification sur la discipline du trombone à l'occasion d'un départ. Et profiter de cette occasion pour ajouter 2 heures sur ce poste d'assistant d'enseignement artistique en valorisant la notion d'ensemble de cuivre. Il est créé un poste de corps à hauteur de 5 heures d'enseignement d'assistant d'enseignement artistique, toujours en lien avec l'effectif élève. Également, suite au départ d'un enseignant en clarinette et musique de chambre, un poste de PEA à 16 heures de clarinette est scindé en 2 x 8 postes de PEA. Donc, un dédié à la clarinette, un à la musique de chambre. Et enfin, le poste de guitare jazz qui était à hauteur de 5 heures auparavant est élevé à 12 heures. Effectivement, cette discipline faisait l'objet d'un sureffectif depuis plusieurs années, donc sur le grade d'AEA. Côté administration, le poste directeur administratif et financier, donc là encore, qui fait suite au CT de février, est modifié en poste de directeur administratif, ayant en charge la politique administrative des pôles ressources, études, vie scolaire et technique. La conception, la mise en œuvre de l'évaluation des politiques administratives et enfin le pilotage stratégique de ces différents pôles. Voilà, il y a également des modifications au niveau de la logistique. Toujours à l'occasion d'un mouvement de personnel, il y a 2 postes d'agents d'entretien et d'hygiène qui voient leur volume d'heures augmenter, ce qui correspond à un besoin exprimé par les agents. Et l'autre partie des heures de nettoyage étant confiée à une entreprise extérieure. Et il est également créé un poste de chef d'équipe qui existait déjà, mais dont la personne n'avait pas la responsabilité de l'encadrement hiérarchique sur l'équipe de nettoyage. Ce sera désormais le cas. Enfin, dernière modification, toujours à l'occasion d'un départ, il est créé un poste non permanent de conseiller pédagogique musical afin d'assurer la passation et le futur recrutement du conseiller aux études en formation musicale et création culture. Voilà, en préparation de la rentrée. Parfait, merci Laure. Je précise, donc, comme je le disais tout à l'heure, que ces différents sujets ont été passés en comité technique et qu'ils ont donné lieu à plusieurs échanges, adaptations. On peut dire qu'on est dans le collaboratif, en particulier sur certains de ces postes. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais tout cela est né d'un consensus. Des questions, des observations de mes collègues ? Pas de questions, pas d'observations.
Donc, ce tableau des emplois est adopté également. Sur les mesures correctrices en termes de ressources humaines, enfin de ressources, oui, de ressources tout court, enfin ressources humaines, de ressources, durant la période, leur aussi, de façon très rapide. Donc, très rapidement, et conformément au contexte juridique de cette période, les personnels du conservatoire ont été divisés en deux catégories, ceux qui ont pu continuer à poursuivre leur activité en télétravail et ceux dont la nature de l'activité ne permettait pas cela. Ceux-ci ont été placés en autorisation spéciale d'absence, en ASA. Donc, l'ensemble des personnels verra sa situation régularisée par le biais d'un arrêté. Quel que soit le statut des agents du conservatoire, l'ensemble des personnels vont voir leur rémunération maintenue, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'ensemble des collectivités. Notamment, le régime indemnitaire des agents est intégralement maintenu, que ce soit pour les contractuels, les titulaires, ceux qui sont en télétravail ou ceux qui sont en ASA. Les éléments accessoires de rémunération, comme les tickets restaurants, par exemple, sont également maintenus. Voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Laure. Je me permets de reprendre la parole et d'insister sur ce dernier aspect. Je pense que on parlait tout à l'heure des situations de précarité dans la culture. Voilà un exemple concret de ce que les établissements culturels comme le nôtre, comme d'autres, peuvent faire, c'est-à-dire à la hauteur de leurs moyens. Hein, on en a parlé tout à l'heure sur nos capacités financières, c'est-à-dire de maintenir, bien évidemment, c'est une obligation, le niveau de rémunération, mais aussi tous les éléments annexes à la rémunération, tickets restaurants, jour de récupération du temps de travail, régime indemnitaire. Donc tous ces éléments-là qui sont importants, quel que soit le statut des personnes qui travaillent ici dans l'établissement. Donc merci à la direction d'avoir porté ces éléments-là et c'est une très bonne chose. Des questions, chers collègues ? Mais c'est réglementaire. Hein. Alors c'est réglementaire de certaines façons, mais ça s'applique, la loi l'a appliqué en plus, le confinement. Ça dépend de la nature de l'établissement, en fait. Et certaines collectivités ne l'appliquent pas forcément de la même façon. Donc, on a fait le choix de l'appliquer de façon pleine et entière. Pas d'autres questions, pas d'autres observations. Je vous remercie. Donc, ces mesures correctrices sont donc adoptées. Il nous reste une dernière délibération sur le contrat d'assurance risque statuaire. Statutaire, ça peut être couvert aussi par certains risques, bien évidemment, mais là, sur les risques statutaires. Olivier, un petit mot ? Non, Laure ? Les collectivités s'assurent pour le risque, pour les risques statutaires. En l'occurrence, là, on fait référence au risque d'accident du travail et au décès. Soit les collectivités sont leurs propres assureurs, soit elles souscrivent un contrat d'assurance auprès d'un organisme, ce qui est le cas du conservatoire. Le conservatoire fait le choix de renouveler sa collaboration avec le centre de gestion pour que celui-ci prenne en charge la procédure de renouvellement de marché, enfin d'appel d'offres, pour signer un nouveau marché auprès d'un organisme. Notre contrat s'arrêtant au 31 décembre 2020. Voilà, c'est la même procédure que nous avions utilisée pour la protection sociale. Merci beaucoup, Laure, pour cette délibération et pour tout le travail qui est fait ici dans cette maison. Pas de questions relatives à ce dossier. C'est les mêmes procédures que précédemment utilisées. Donc, il est adopté à l'unanimité. Il nous reste un dernier point, c'est la composition du conseil d'administration pour l'Académie internationale d'été de Lyon, puisque donc le directeur du musée Lugdunum, Monsieur Hugues Savegueraz, a mis fin à ses fonctions au sein du conseil d'administration. Et donc, il est proposé de le remplacer par la personne qui occupe son poste de directeur de Lugdunum, à savoir Madame Claire Iselin. Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? C'est la continuité, hein, tout simplement. Et c'est quelqu'un de très, très bien également. Donc, ravi de pouvoir l'accueillir au sein du conseil d'administration de l'Académie. Pas de questions, pas d'observations, ce rapport est adopté, ce qui me permet de dire que bien malheureusement, à propos d'Académie, l'Académie 2020 sera annulée.
Vous comprenez bien pourquoi dans le contexte dans lequel nous sommes, et sachant qu'une grande partie de ces élèves étaient des élèves étrangers, donc bien évidemment c'est très complexe de le faire. C'est une décision qui a été prise il y a déjà quelques mois en arrière afin de pouvoir s'organiser et prévenir tout le monde. Je regarde s'il y avait d'autres questions particulières. Non. Est-ce qu'il y a des points divers que mes collègues souhaitent aborder ? Monsieur Savek a démissionné. Il est parti à la retraite. Tout à fait. En fait, il a quitté ses... Il a marqué démission, alors c'est ça que... Non, il a quitté. Alors, il continue à travailler, enfin, d'apporter son savoir-faire au musée Loup d'Ounoum, mais il n'est plus directeur du musée Loup d'Ounoum aujourd'hui. C'est à ce titre-là qu'il a démissionné. Voilà, c'est ça. Ces précisions ayant été apportées, oui, Laure, j'ai oublié quelque chose. Ah oui. N'oubliez pas de signer les 12 exemplaires des documents et de ne pas partir. Alors ça s'applique à nous qui sommes là. Bien évidemment, pour les collègues en visio, on fera suivre par affaire. Courage. Bon, eh ben, il faudra qu'on s'arme de patience vu le fonctionnement des parapheurs actuellement entre les différents lieux de notre collectivité. Très bien, je pense que nous en avons fini avec l'ordre du jour. Nous en avons terminé avec les questions diverses. Et ben, il me reste à remercier l'équipe de direction qui a préparé ce comité syndical, à l'équipe technique qui nous permet de le tenir dans les meilleures conditions possibles, à mes collègues ici présents et à vous également présents à distance. Merci à celles et ceux qui nous regardaient sur la chaîne YouTube. J'ai l'impression de présenter un journal télévisé. Oui, c'est impressionnant. C'est belle journée, bel après-midi à tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.